Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sponsorisée sur la chaîne pour découvrir un tout nouveau jeu, Undecembered, qui est un action RPG avec la vue du dessus en fait, qui est plus ou moins donc un hack and slash. Alors avant de commencer tout de suite, je tiens à rappeler donc déjà que cette vidéo est sponsorisée et que le jeu est aussi interdit aux moins de 18 ans et donc il est destiné aux personnes qui ont 18 ans ou plus. Alors avant toute chose, si vous voulez l'essayer, bien sûr il sera disponible directement sur Steam mais aussi sur Android et sur iOS si vous désirez y jouer sur des plateformes mobile, et vous aurez directement un lien pour le télécharger dans la description de la vidéo. Donc Undecembered est un jeu développé en Corée du Sud qui reprend encore une fois les codes du hack and slash développé sur l'Unreal Engine 4. On y incarne des chasseurs de runes lancés dans une quête dans le but est d'empêcher la résurrection d'une divinité maléfique, et pour ça il va falloir affronter énormément de monstres, collectionner énormément d'équipements et faire progresser son personnage justement via un tout nouveau système, puisque ça c'est la grosse particularité de ce Undecembered en fait, c'est de ne pas avoir de classe définie comme dans la plupart des RPG et même des MMORPG de ce genre, parce que c'est un jeu qui se joue d'ailleurs totalement en ligne et vous pourrez jouer bien sûr avec la plupart de vos amis. Je précise aussi d'ailleurs que c'est un free to play hein, et vous pourrez télécharger le client du jeu gratuitement et l'essayer si vous le désirez. Et donc c'est la grosse particularité de ce Undecembered, c'est que lorsque vous créez votre personnage, vous avez un petit éditeur de création des personnages. Vous n'avez pas de choix de sélection de job ou de classe, par exemple, comme on l'aurait dans la plupart des jeux de ce genre. Vous avez directement accès à plusieurs armes, et en fonction des armes que vous allez équiper, en fonction des runes que vous allez mettre sur ces armes, vous aurez accès à différentes habilités. Ça peut être des runes de compétences ou des runes de liens qui vous permettra de faire évoluer ces différentes compétences. Vous allez pouvoir créer un petit peu, d'une certaine façon, votre propre classe unique. Donc, par exemple, vous pouvez très bien avoir une épée tout en lançant des sorts de magie. Vous pouvez avoir un arc en invoquant par exemple différentes créatures. Ça c'est vraiment à vous de décider ce que vous allez faire. Et là où au tout début, lorsqu'on débute l'aventure, effectivement on peut voir qu'on peut faire certains liens, on peut débloquer certaines attaques, avoir certains effets. Par la suite on pourra se rendre compte que plus on avance dans le jeu, plus on peut lier en fait différentes runes à certaines attaques, et à la fin vraiment faire des attaques totalement désastreuses. Vous pouvez passer de simplement pouvoir tirer certaines flèches avec l'arc par exemple, à des flèches qui vont exploser par exemple avec des dégâts électriques dans tous les sens, pas mal de petites subtilités comme ça aussi. Avec les mages vous pouvez faire pas mal de magie élémentaire, dépendamment encore une fois donc aussi de l'équipement que vous utilisez, dépendamment des runes que vous avez choisies et dépendamment de l'arme que vous avez choisie, vous pouvez vraiment faire votre propre classe et jouer exactement comme vous le désirez. Et pour ça il va y avoir plusieurs systèmes différents. Le premier tout simplement c'est avec le système du zodiaque. Ici vous avez deux systèmes différents. Donc le premier c'est de simplement pouvoir sélectionner vos statistiques pour augmenter la force, vous augmenter la dextérité et l'intelligence qui augmenteront donc chacun différentes choses. Pour les forces ce sera par exemple des PV et le pourcentage d'armure, pour la dextérité ce sera un taux de précision et un taux d'esquive, et pour l'intelligence ce sera de la mana ainsi que de la barrière, sachant que certains équipements ou certaines habilités vont demander certains de ces stats là. Mais en plus de ça vous aurez aussi le deuxième système de traits qui vous permettra de débloquer par exemple une évolution de vos capacités physiques, ou par exemple vous avez une évolution de vos capacités magiques en fait, dépendamment de comment vous le souhaitez. Et vous pouvez à tout moment réinitialiser si vous avez envie vos stats, si par exemple votre personnage ne vous convient pas exactement comme vous l'aviez, ou si vous avez débloqué par exemple un autre équipement spécifique sur une classe, là vous pouvez repartir sur quelque chose de totalement différent tout en gardant vos levels, tout en gardant votre avancée. Ensuite le second système sera celui des compétences. Donc ici vous voyez que vous pouvez par exemple avoir donc deux différentes de runes. Les premières vont être soit des habilités que vous pourrez par la suite augmenter de niveau. Vous avez aussi des runes qui vont pouvoir se lier à ces dernières en fait pour augmenter leurs différents effets. Et là encore une fois, où au début vous avez qu'un nombre très limité de runes, par la suite ce sera possible de rajouter jusqu'à 6 runes différentes sur une habilité, ce qui pourra vous donner des capacités de fou, puisque l'idée c'est carrément de pouvoir changer littéralement complètement le fonctionnement fondamental de l'habilité, puisque vous pouvez passer encore une fois de simplement tirer certaines flèches à des attaques élémentaires, vous pouvez passer d'attaques physiques justement au cac à des grosses attaques dévastatrices justement que j'essaierai de vous mettre un petit peu à l'écran. C'est vrai qu'à haut niveau on a l'impression que on peut vraiment faire des trucs de fou, des choses qui font énormément de dégâts, et sachant que c'est nous qui choisissons exactement ce qu'on va utiliser, si vous aimez un petit peu la customisation comme ça de votre
personnage et de faire un petit peu la classe que vous avez envie d'avoir. C'est clairement un système que vous apprécierez, je pense. On a par exemple les boules de feu qui vont pouvoir se transformer en plusieurs projectifs. Et pour justement donc le lancement du jeu, il y aura déjà plus d'une centaine de runes différentes avec lesquelles les joueurs vont pouvoir expérimenter. Et donc voilà, ici il n'y aura pas vraiment de méta prédéfini. Ce sera vraiment à vous de créer votre propre méta en fait, en fonction justement des habilités avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise, des habilités que vous trouvez les plus puissantes, en fait, de les améliorer et de faire vous-même, justement, encore une fois, votre propre méta. Alors en plus de ça, encore une fois, le jeu est disponible en crossplay, hein. Vous pouvez jouer donc à la fois encore une fois sur PC, sur Steam ou aussi sur mobile, que ce soit sur les appareils iOS et Android, mais en plus de ça vous pouvez jouer ensemble en fait avec vos amis entre les deux appareils, et ça c'est vraiment cool. Alors ensuite, ça peut poser certaines questions, par exemple sur le fait que ce soit donc un jeu qui se joue sur mobile, est-ce qu'il y a un mode vraiment automatique, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce style là donc il n'y a pas vraiment de autoplay, hein, comme on a dans d'autres jeux. Il y aura quand même une façon d'avoir une des attaques qui est utilisée de façon automatiquement, votre attaque de base, mais toutes les autres habilités devront être utilisées manuellement. Encore une fois, le jeu met tout vraiment dans son gameplay, même s'il a quand même de très très belles cinématiques. Ça c'est quelque chose qu'on a pu, comment dire, remarquer. Ils ont quand même fait un grand grand soin sur les cinématiques, en plus du dire que c'est totalement doublé aussi. Et si vous avez envie de jouer à la manette, bon personnellement j'ai joué forcément au clavier souris puisque je jouais sur PC, c'était plus simple comme ça. Mais si vous désirez jouer à la manette, le jeu est 100% aussi compatible à la manette. Normalement il faudra quand même utiliser la souris pour pouvoir cliquer sur les PNJ, mais c'est totalement jouable à la manette. Et donc si le fait de devoir jouer au clavier souris par exemple c'est quelque chose qui peut vous rebuter, bah, c'est quelque chose que vous pouvez faire en fait directement, jouer à la manette. Alors en plus vous aurez donc tout un système de loot, forcément qu'il y a Ken Slash dit beaucoup de drops, beaucoup de loot différents avec pas mal de capacités différentes. Vous pourrez enchanter par la suite ces loot là pour changer certaines de leurs caractéristiques ou évoluer leurs caractéristiques. Vous pouvez faire évoluer encore une fois vos runes. Vous avez le système d'enchantement pour ajouter encore une fois des effets à vos stuff. Vous pouvez recycler le stuff une fois que vous n'en avez plus besoin pour récupérer des objets qui vous permettront de faire évoluer directement vos autres équipements. Vous aurez un système d'apparence littéralement où vous pouvez par la suite équiper différentes armures. On sent qu'il y a pas mal d'armures qui ont eu pas mal de travail au niveau à la fois des effets. Vous avez par exemple cet effet de feu comme là, vous avez différents types donc de casques par exemple, différents effets par exemple sur l'épée à une main ou sur l'arc avec son petit côté électrique, hein. Ça vous donnerait presque envie de faire un build justement de flèches électriques comme ce qu'on a pu voir. Pas mal de vraiment de possibilités différentes, et on sent que les armures quand même ont été pas mal bien travaillées mine de rien, comme vous pouvez le voir. Ce sera d'ailleurs aussi possible de récupérer un familier, donc ça c'est le tout premier familier qui est présent, mais qui vous permettra par exemple de ramasser les loot littéralement sur le terrain, qui vous permettra de aussi recycler, voilà, démonter les objets et vendre certains objets dont vous n'avez pas besoin. Ce sera possible par la suite de récupérer d'autres familiers, de vous voir les différents skins quand même. Regardez-moi cette petite souris comme ça. Ça donnerait presque envie quand même. Je trouve ça vachement marrant, les familiers, c'est... Les familiers, j'ai choisi un petit côté quand même assez marrant, mine de rien. Et enfin, comme dans la plupart de ces jeux, vous doutez bien, il y a des événements réguliers. Là, pour l'instant, c'est l'événement du lancement du jeu, puisque forcément, c'est le lancement du jeu où vous aurez pas mal de récompenses pour vous connecter les premiers jours. Juste se connecter, c'est suffisant. À partir du 7e jour, on aura l'eau d'essence d'équipement rare en plus. Et puis, vraiment, plus vous jouez au jeu, forcément, plus vous gagnez des différentes récompenses. Et les événements de Fiesta qui vont demander certaines choses, comme utiliser par exemple 10 potions, faire progresser une rune 5 fois par exemple, éliminer des monstres normaux, ce genre de choses dont vous connaissez, hein, qui sont là pour vous donner pas mal de récompenses. Forcément plus vous jouez, plus vous avez de récompenses. C'est à dire aussi possible directement de récupérer l'une des récompenses à la première boîte aux lettres. Voilà, vous allez sur la messagerie. Et normalement, bon là j'ai déjà récupéré, mais je vous montrerai quand est-ce qu'on l'a pris normalement au début du jeu. Donc n'hésitez pas à aller le vérifier dès que vous commencez l'aventure. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur l'univers, sur le monde, sur toutes ces choses-là, vous avez bien entendu le site officiel qui pourra vous proposer avec pas mal d'informations. Et donc voilà, si vous cherchez encore une fois un hack and slash justement multijoueur, encore une fois totalement en ligne pour jouer avec vos amis, découvrir justement une histoire qui a l'air quand même assez pas mal travaillée, mine de rien, avec les différentes cinématiques qui envoient un peu du lourd, n'hésitez pas encore une fois à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Et voilà les amis, c'est tout pour la
première petite vidéo présentation de Undecember. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. J'espère que vous apprécierez le jeu. Encore une fois, les liens sont dans la description si vous voulez l'essayer, que ce soit sur Steam, que ce soit sur mobile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement dans la description de la vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, les amis, et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.